Ouais, c'est tout noir. Bon, il y avait de la lumière dans le temps ici. Ouais. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? La main droite est amoureuse de toi? Oui, je sais. Oh, ça va, oui. Ça va, non, mais un peu de tenue, là. Il y a des gens devant nous. Voilà, tu vas monter dans cet arbre? Non, je veux pas. Et pourquoi tu veux pas? Parce que j'ai le vertige. Non, non, dis plutôt que t'es fainéant. Ah, fainéant! Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non. Moi, je suis un plumeau, donc c'est Maître Plumeau, c'est pas Maître Corbeau. Donc c'est mettre plus haut sur un arbre perché. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un aboiement ça? C'est quoi? C'est un bruit de singe? Fais-moi voir ce que t'as dans la gorge là. Oh, bah regardez les enfants, il a un petit singe dans la gorge. C'est normal s'il peut pas aboyer. Je suis né dans un atelier de couture. L'atelier des frères Montgolfier. Oh, bah, je peux venir alors? Mais oui, tu crains rien. Allez, viens. Oh, j'ai peur. Bah, viens dans mes bras. Allez, viens dans mes bras. Voilà, comme ça. Je vais être danseuse sur pointe. Bah, et alors, pourquoi tu peux pas être danseuse sur pointe?